Good morning, allez, Yiden les tuisses aujourd'hui, les Lunishmat Yaakov ben Aïcha, ainsi que les Refouat, Rav Baruch Shmuel ben Labetor Shah Khol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Megillah, Perek Dalet, Mishnah Zain. Kohen Sheyesh Beyadav Mumin, Lo Isait Kapav. Rabbi Yehuda Omer, Av Mi Sheayu Yadav Tzuvot Istis Ufua. Lo Isa Et Kapav Mi Penei Sheha'am Mistaklim Bo. Je traduis directement, une Mishnah qui n'a pas de rapport direct avec... Jusqu'à la fin de la Maseret, en fait, on va parler de toutes sortes de choses qui peuvent invalider les Kohanim, en rapport avec le fait qu'on a parlé avec ce qui est invalide pour monter à la Torah, à la lecture de la Torah. Alors maintenant, on va parler aussi des choses qui invalident un Kohen pour venir, pour aller faire la Tfila, pour aller faire la Nisset Kapaim, lorsqu'il va faire la Bracha, la Birkat Kohanim. Et puis après, on continuera jusqu'à la fin de la Maseret avec toutes sortes de personnes qui ont eu, selon leur conduite, ils vont avoir une tendance à la picoursoute, à être un peu une tendance à la, je sais pas, à être mécréant, à contester, donc il ne faudra pas le laisser monter à la Torah, comme ce qu'on va voir. Pour le moment, on parle du Kohen. Kohen Sheyesh Beyadav Mumin, un Kohen qui a dans ses mains un défaut. Et une requête, est-ce qu'il faut dire Beyadav ou pas? D'accord? Pour le moment, on va juste parler de Kohen Sheyesh Beyadav Mumin, un Kohen qui a dans ses mains des défauts, eh bien, un défaut, c'est-à-dire un membre tordu, un membre cassé, un membre manquant, eh bien, Loïssa est capable, il ne pourra pas, littéralement, lever les mains. C'est-à-dire, d'abord, on explique la Birkat Kohanim, il faut la faire avec Benessiat Kapaim en levant les mains, comme vous avez déjà vu les Kohanim qui font à la synagogue la Birkat Kohanim, ils lèvent les mains et ils bénissent le peuple avec les mains levées. Maintenant, il faut savoir que il ne faut pas regarder les mains des Kohanim. À notre époque, on est peut-être un confronté parce qu'on a adopté, je ne sais pas à quelle époque de l'histoire, l'usage de se couvrir avec le talit pour ne pas avoir les mains dénudées. Mais initialement, le Kohen montait faire la Birkat Kohanim avec les mains libres et il faisait comme ça. Enfin, chacun en collant ou en éloignant ou peu importe. Mais en tout cas, il levait uniquement les mains et on voyait, on pouvait voir ses mains. Or, la Gemara dit que celui qui voit les mains des Kohanim pendant qu'il fait la Birkat Kohanim, Enav Kehot, il perd sa vu au moins partiellement, ses yeux s'assombrissent littéralement, et parce qu'il y a la shrina qui réside sur les mains des Kohanim au moment où ils font la bracha. Du coup, pour ne pas qu'il. Du coup, s'il va monter faire la Birkat Kohanim et qu'il a des mains bizarres, alors vous imaginez bien, entre les enfants et les adultes et les vieux, et tout le monde qui va regarder le phénomène un peu original, il a un doigt manquant, il n'a pas un doigt manquant. Et du coup, tout le monde va s'attendre à regarder. Les Khamim, ils ont dit, vous savez quoi? Si toi, le Kohen, tu as un défaut dans les mains, tu ne montes pas faire le Birkat Kohanim. D'accord? Maintenant, en réalité, l'Agmal précise en fait que c'est pas que dans les mains, il en va de même aussi s'il a un défaut, même dans les pieds, même dans autre chose, parce que du coup, quelqu'un qui a un défaut quelque part, les gens vont se mettre à le dévisager et à le déshabiller du regard, à regarder de partout. Ah, t'as vu ses pieds, hein? Peut-être que si dans sa tête, il a aussi un. Et du coup, on va se mettre à regarder ses mains aussi. Et pour ne pas regarder ses mains, donc, quelqu'un qui a un Kohen qui a un défaut, il ne pourra pas monter avec quatre Kohen. D'accord? Ensuite, Rabbi Yehuda Omer, Afmi Shaya Ayu Yadav Tzvot Istis Ufua. Même celui qui avait ses mains peintes de Istis Ufua, ce sont deux espèces de teintures, une qui a une tendance au bleu, une qui a une tendance au rouge. Et pourquoi? Quel est le problème? Loïset Kapav, lui, il ne verra pas non plus les mains. Pourquoi? Mais Penechea, Mistaklimbo, parce que les gens vont le regarder. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'avoir un défaut intrinsèque aux membres, même si tu as même une couleur bizarre sur les mains, parce que tu es un teinturier, parce que. Et du coup, quand tu vas mettre les mains, ils vont te dire, oh, regarde, il a la main violette. Et du coup, tout le monde va s'attendre à le regarder. Et on veut pas qu'on regarde pendant qu'on fait le bacatonim. Donc, il ne devra pas faire non plus de la nécessité de Kapaïm, d'accord? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Maintenant, une précision très importante, c'est que Imdash Be'iro. Quelqu'un qui a l'habitude, une fois qu'on s'habitue à quelqu'un qui a un défaut, on va le regarder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça y est quoi. Il faut changer les. Il faut des nouveaux titres dans les journaux, d'accord. Donc du coup, la même chose aussi. Quelqu'un qui a l'habitude, un Cohen qui a l'habitude, on a l'habitude dans notre ville, que ce Cohen il est bizarre, il a un problème, il a une main paralysée, il a. D'accord, on le connaît par cœur. Du coup, quand il va monter faire le Birkat Kohanim, on va plus mettre à scruter ses mains et à le regarder comment. Donc du coup, on a l'habitude dans sa ville, il est dans sa ville. Ou encore, si tous les habitants de sa ville, il y a beaucoup de teinturiers, on a beaucoup qui ont les mains sales, sans se prendre la tête. Ça peut être tout simplement un garagiste aussi, ils ont toujours les mains noires, les pauvres. Et
sauf ceux qui décapent tous les jours, mais c'est... Bref. Donc du coup, si dans la ville on est tous des teinturiers par exemple, ou... alors dans ce cas-là on va plus craindre que les gens vont regarder, donc il pourra faire la Nessiat Kapaïm, il pourra faire la Birkat Kohanim en levant les mains, et on craint plus que les gens vont se mettre à le regarder, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.